to aspire a flame. Distant sparks call to a past still unnamed. Bear this torch against the cold of the night. Search your soul and reawaken the undying light. J'ai lancé le rediff. Donc voilà, donc on va essayer de faire surtout du tinker. On va mettre ça là. Voilà, on va essayer de faire globalement du tinker et puis on va faire donc finir ça. J'aime pas ça, j'entends un dragon, je le vois pas. Oups. Putain. Oh là là, il y a encore un dragon là. Et pouvoir peut-être commencer à se faire nos premiers matériaux en opsy. Du coup. Tac. Tac, on a notre torse. Alors non. Pas ça que je veux. Plus là. Tac. Peut-être se refaire. Tac. Yeah, il a réussi. Oui. Oh, c'est beau ça. Level up. Ouais. Ok. Donc maintenant, il devrait pouvoir être mieux, je pense. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on aille ici. Et puis qu'on construise cette première maison. Tac. Donc, je vous rappelle que option. Fallait qu'on la change, parce qu'elle était pas bien. Medieval alternative. Medieval oak alternative. Donc voilà. Non. Oak alternative, voilà. Donc. C'est parti. Tac. Ok. Oh! Trop bien! Tac. Ok. Donc comme ça, hop. Là, on aura de quoi se faire des blocs. Voilà. Ça nous sera important par la suite. Je crois qu'il y en a pas assez. Je crois que ça en prend un et demi. Ici, on va commencer par quoi? Je pense qu'on va commencer par se faire deux choses. Peut-être commencer par... Oh, on peut carrément se faire des butt packs, ok. On va commencer peut-être par se faire... La hache lourde. Hache. Ok. Voilà. On est niveau maladroit. Donc elle est super résistante. De toute façon, au pire, on lui mettra un petit diamant. Elle a peut-être que 2 de durabilité. Ok. Donc elle a combien? Elle a 1000 utilisations. Ah, c'est que 4. Oh, bah, c'est super simple alors. Boum. Hop, on en obtient 16. Ok. Du coup, en faisant comme ça, on obtient une graine de tier 2. Tac. Ok. Toujours pareil en fait. C'est que 4. Ok. Tac. Donc voilà. Donc à mon avis, on continue. Hop. On en refait un petit peu. On refait ça. On est à combien? On est à 8. Du coup, une graine de tiers 2, on l'entoure pour en faire une graine de tiers 3. On gère. J'ai pas peur de toi, moi. Voilà, meurs. Puisque c'est ça, on laisse ton cadavre en bas. Ouais, vous voyez que ça nous en fait vraiment pas beaucoup. Hop, on est à 4. Bonjour, monsieur.
Bonjour monsieur. Ok, du coup, hop, tout simplement, casser. T'as qu'on va vite faire dormir. T'as qu'on va mettre vite fait un petit épée ici. Hop. T'as qu'on va pouvoir en garder une. Qu'on va pouvoir transformer en tiers de supremium. Ok. Alors après, pour l'augmenter, c'est toujours du 4. Ok. Donc. Ça, tac. Ok. Tac, on met notre graine niveau 2. Tac. Ok, et donc là, on va voir notre graine niveau max. Enfin, au niveau qui nous intéresse. Ok. Tac. Donc déjà, la graine, c'est bon. Ensuite, il va nous falloir... Boum. Ok. Donc là, on a tout, a priori, pour pouvoir se crafter notre premier Nether Quartz. Ok. Tac. Donc tout ça, du coup, c'est bon. Maintenant, on va pouvoir planter, du coup, le Nether Quartz. Ok, maintenant l'objectif ce serait de nous faire la Iron Seed. Iron Seed, donc on fait pareil mais avec 4 Iron. Est-ce qu'on a 4 Iron chez nous ou pas? Donc Iron Seed, c'est bon. Tac, cela on n'en a plus besoin. Oh cool. Tac, et ensuite comment est-ce qu'on fait les Iron Enriched Iron Quartz? Bah on va... On peut carrément les faire. Donc c'est... avec ça on fait du quartz comment? Comme ça. Tac. Boum. Quoi? Ça marche pas? Ok. Donc il m'en faut 4. Ok, je crois qu'on a de quoi se faire celle-ci. Ok. Donc là, concrètement, on a tout ce qui nous intéresse. Ok. À Raffined. Ok. Alors, comment est-ce qu'on... Ça marche, justement, Raffined. Alors, je sais pas. En broyant du sable. En mettant du sable dans le broyeur. Il veut quoi, là, le requin? Ouais, mais par contre, j'aime pas trop l'endroit où il est. De magie. Voilà, autant le laisser mourir. Mon pauvre. Rip. Tu es mort. Tu es décédé. Hop, merci. Ça, c'est fait. Ensuite. Tac, ça, on met ça, hop, à chauffer. On refait du gravier. Ok, donc on a obtenu ça. Et je crois qu'on a tout. Je crois qu'on a tout. Ok, donc on obtient notre premier contrôleur. Tac, on va mettre notre baguette là. On a obtenu le contrôleur. Ok, donc le contrôleur en plus qui charge d'énergie. Donc ça, c'est plutôt cool. À mon avis, il va nous falloir déjà des câbles aussi. Pour le moment, j'en sais rien. Comment... On va commencer par deux trucs comme ça. Donc, 12. Honnêtement, je pense que c'est déjà vraiment suffisant. Tac. Deux, parfait. Attendez, parce que... Ah, oula, attendez. Je crois que je m'éparpille. Ça, faut qu'on le fasse chauffer. D'abord. Ok, donc ça, c'est bon. Ensuite. Une seule. Enfin, quoique non. Il m'en faut peut-être une deuxième, en fait. Il m'en faut une deuxième.
Tac. Ok. Donc, il m'en faut une que je... Ah oui, il faut que je les fasse cuire. Maintenant. Et vous voyez, ça se trouve, on n'aura même pas besoin d'analyseur, ça c'est cool. Voilà, on va s'en donner un stack qu'on remboursera. C'est vraiment juste parce qu'en fait, sinon... En fait, on passe juste notre temps... Enfin, c'est juste pour attendre, là. Enfin, sinon, on rush le nether, quoi. Mais c'est juste que j'ai pas envie d'aller forcément dans le nether, quoi. Donc, attendez, là, il nous manque quoi, en fait? Du coup, maintenant, on peut faire ça. On peut faire ça. Et on a notre bloc grille. Ok. Donc là, la grille, c'est bon. On peut... Mais on peut rien déposer, voilà. Et ça commence à coûter un diamant. Après là, voilà, là on a les crafters. Et à mon avis, voilà, c'est dans les blocs de stockage qu'il faut mettre ça. Quoi, tu peux utiliser en under chest, mais c'est de l'arnaque. C'est l'arnaque d'utiliser un under chest, non? Y'a que moi qui comprends pas l'intérêt. Ok, donc là, on va vérifier, mais voilà, tout ça c'est relié. Donc pour faire des disques, on va essayer de se faire des 64 tant qu'à faire. Comment est-ce qu'on se fait une gold seed? 4 lingots d'or. 4 lingots d'or avec du supremium. Ouah vache. C'est cher ça. Parfait. On a largement ce qu'il faut. C'est si abusé. On a combien? On a un petit peu d'or. Ouais, c'est déjà un peu mieux. Tac. Notre épée qui a que 2 durabilités, ça c'est relou par contre. Où est notre diamant? Ça fait qu'à chaque fois on est obligé de leur mettre un diamant. En attendant, du moins qu'elle soit bien. Tac, elle passe à 502. Même pas, je passe à côté. Il m'a vu! Aïe! Alors, tu veux plus jouer? Ça fait mal, hein? Ça fait mal le karma! Plus t'as rien loot, enfoiré. Putain, on a encore un dragon, c'est une blague! Et voilà, on va à la ferme. Et on est parti. Voilà. Tac. Hop. On va s'en donner un deuxième. Voilà, on peut en faire deux. Du coup, on a 2x64. Et voilà, on commence à avoir du stockage. Et voilà, comme ça, on aura le craft de dispo dessus. Ah. Petit... Non. Non. Oh cool, une tête de creep. Oula, c'est quoi ce creeper? C'est quoi ce creeper? Je le connais. C'est le creeper rocket. Celui il va dans les airs et puis il vous explose à la gueule. Voilà. Et on a nos graines en diamant, ok. Après l'objectif ce serait qu'on s'en fasse des trucs auto avec Steve Kart. Tac, 11 diamants. Bah du coup prochaine fois on va sans doute se faire notre atomique désassembleur. Quoique après c'est vrai que sinon on a ça aussi. Faudrait qu'on
qu'on commence à voir. Je sais pas du tout comment ça marche. Ah bah en plus on en a fait 4. GG. Tac, du coup ça on a. Il y a juste les modes qu'on n'a pas. Et que je sais pas du tout comment obtenir. Bah si. Je sais. Tiens, merci. Et tac. Et on a notre... Wow. Elle est moins belle qu'elle n'était avant, je trouve. Wow. Ok. Et donc comme ça, on pourra se crafter notre armure. Ok, je peux pas quitter en avant. Ok. Donc ça, c'est fait. C'était où? C'est ça. Donc maintenant, va falloir qu'on se crafte ça. Et ça, ça va pas être de la tarte. Ça va pas être de la tarte. Bon. Merci à tous en tout cas d'avoir regardé ce live. On se donne rendez-vous je sais pas quand pour la suite. On va peut-être ralentir un tout petit peu. Donc merci à tous d'avoir regardé ce live. N'hésitez pas à follow pour ceux qui sont sur Twitch et à venir sur YouTube pour ne pas rater mes vidéos, parce que je ne fais pas que du stream. Et pour ceux qui sont sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les futures vidéos. Merci à tous, c'était Para. Salut tout le monde, allez, bye bye.